Ouais. OK, bon, on commence. Alors, bonjour et bienvenue à notre quatrième webinaire qui est organisé par le service juridique de la Chambre de commerce Alsace-Métropole. Aujourd'hui, le webinaire est présenté par ma collègue responsable du service juridique, Élise Fiorez, qui se trouve à côté, dans son bureau. Et moi-même, Stéphanie Cort, juriste ici au service juridique. Également, grand merci à notre collègue Jean-Marc Kolk, directeur économique numérique, qui s'occupe de la partie technique toujours importante pour les webinaires. Pour votre information, on fait un enregistrement pour avoir un replay. Pour cette raison, on vous invite alors à couper les micros. Pour des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans la conversation à droite et nous, on va reprendre les questions. Alors, aujourd'hui, le thème impact du COVID-19 sur le contrat de bail commercial. Comme vous savez, nous traversons une crise majeure qui va perdurer plusieurs mois. La pandémie que nous connaissons a obligé l'État à déclarer l'état d'urgence et à prendre des mesures drastiques et coercitives dans l'intérêt général. Dans le contexte actuel, la question des relations bailleurs et locataires, et plus particulièrement les locataires commerciaux, devient une problématique économique majeure, dont la crise est conséquente et le commerce détail fortement touché. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous présenter les différentes problématiques qui peuvent se présenter à vous. On va faire d'abord un petit rappel de contexte. Merci. Alors, mardi le 11 mars 2020, l'OMS qualifie l'épidémie de COVID-19 comme une pandémie. Dès lors, plusieurs textes réglementaires ont été adoptés. Les arrêtés du 14 et 15 mars en outre listé des établissements recevant du public devant fermer. Il s'agit des activités jugées comme non essentielles. Des dérogations sont spécifiées, mais en raison du confinement général de la population, les établissements qui ont pu rester ouverts ont connu une baisse de fréquentation. Par la suite, la loi du 23 mars 2020 définit la période d'état d'urgence depuis le 24 mars et pour une durée au minimum de 2 mois, prolongée ensuite jusqu'au 10 juillet 2020. Cette période a une incidence sur l'exécution des obligations contractuelles et sur les procédures. Ainsi, entre absence totale de chiffre d'affaires et baisse considérable de manière brutale et sans anticipation, les secteurs du commerce de détail, tourisme, hôtellerie-restauration, sport et culture ont très rapidement été dans l'incapacité de subvenir à leurs charges fixes dont le loyer figure comme un poste important. Entre les délais de paiement de l'activité partielle, du versement des aides ou de l'obtention des prêts garantis par l'État, la trésorerie a rapidement fait défaut. L'État a alors cherché des solutions pour pallier à ces difficultés. La négociation avec le bailleur figure parmi les premières mesures. Les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution du bail commercial peuvent se manifester de différentes manières. Il peut s'agir, et c'est le plus fréquent, de l'incapacité de payer les loyers, mais il peut s'agir également des procédures entamées avant la période d'état d'urgence et dont les délais ont commencé à courir. Avant d'aborder les différents outils à la disposition des parties, il semble important de faire un point sur la nature des obligations de chacune des parties impactées par la pandémie. Élise, est-ce que tu peux nous préciser la nature de ces obligations? Oui, bien sûr. Alors, on va parler de deux obligations principales. L'obligation de délivrance qui s'impose au propriétaire et l'obligation de payer les loyers selon les modalités déterminées par le contrat qui s'impose au locataire. Ces deux obligations sont en complète dépendance, en fait. Alors, tout d'abord, l'obligation de délivrance, qui est l'obligation majeure du propriétaire des locaux du bailleur. Elle est définie par l'article 1719 du Code civil
comme l'obligation pour le bailleur de permettre au preneur, au locataire, d'exploiter son activité dans les locaux loués et d'en jouir paisiblement. Il ressort donc de cet article que le propriétaire est tenu à une obligation de délivrance de la chose louée afin que le locataire puisse tirer toute satisfaction de cette chose et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. Voilà donc une obligation essentielle que les bailleurs ont trop tendance à oublier en fait. Permettre au bailleur de s'exonérer de cette obligation fondamentale du bail reviendrait à priver ce dernier de toute substance. C'est l'objet même du contrat de bail commercial. Ceci explique que l'évolution jurisprudentielle récente semble faire de cette obligation une véritable obligation d'ordre public à laquelle on ne peut pas déroger contractuellement. Donc, aucune disposition du bail peut venir à l'encontre de cette obligation. Mais en contrepartie, bien sûr, l'obligation fondamentale du locataire est celle de payer un loyer dans les conditions et les modalités déterminées par le contrat. Et comment le Covid-19 est venu alors perturber la bonne exécution du bail? Alors effectivement, la crise sanitaire que nous rencontrons aujourd'hui, la pandémie, est venue complètement remettre en cause l'exécution de ces deux obligations principales. Alors, pourquoi? Bien parce que les propriétaires ont été brutalement dans l'incapacité de pouvoir fournir au locataire un local pour l'usage pour lequel il a été loué. Et les locataires, en raison de la fermeture administrative brutale de leur commerce, notamment, ou de la forte baisse du chiffre d'affaires, n'ont plus été très rapidement en capacité de payer leurs charges fixes, dont le loyer représente une somme très importante. Du coup, la mesure phare relative au bail commercial pendant cette crise sanitaire est la suspension des loyers durant la période d'urgence sanitaire. Alors, comment se manifeste-t-elle cette mesure? Eh bien, cela s'est passé en plusieurs étapes. Alors, la première a été la demande du gouvernement, assez rapidement, au courant du mois de mars, à tous les bailleurs de faire un effort et d'accepter le report des loyers pendant le temps de la fermeture. Alors, si certaines grandes fédérations ou syndicats de propriétaires ont rapidement réagi et répondu plutôt favorablement à l'appel, la relation avec les propriétaires individuels ou les plus petites structures comme des sociétés civiles immobilières est beaucoup plus tendue. Alors, deux textes sont ensuite venus conforter cette recommandation pour la légitimer, en fait, pour les très petites entreprises. Il s'agit notamment de la loi du 23 mars 2020 dans son article 11 et de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui invoque indirectement, c'est important, le report du paiement des loyers. Mais ces deux textes visent une cible très précise d'entreprise. Alors pourquoi je parle de indirectement? Eh bien parce que ces textes ne parlent pas du report du loyer. Ils parlent de l'impossibilité pour le bailleur de mettre en place des sanctions si le locataire ne paye pas les loyers pendant une certaine période, mais il n'impose pas en tant que tel au propriétaire d'accepter ce report des loyers. Il dit simplement que le propriétaire ne pourra pas sanctionner le non-paiement des loyers. Alors, qui sont les bénéficiaires de ces deux textes? Ce sont les personnes physiques et morales de droit privé qui exercent une activité économique et qui remplissent les conditions et les critères d'éligibilité au fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, pour rappel, ça a été le fonds mis en place par l'État pour pouvoir verser une somme de 1 500 € par mois pour les établissements qui ont dû fermer complètement en raison des textes, soit qui ont connu une baisse de chiffre d'affaires dans un premier temps de 70% et ensuite de 50%. Et ensuite, nous avons des critères de taille d'entreprise, de réalisation du chiffre d'affaires. Je ne rentrerai pas plus dans les détails sur les critères d'éligibilité du Fonds de solidarité ce matin. Ça concerne aussi, ces textes concernent aussi les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Donc cela concerne également les entreprises qui sont en procédure collective. Alors comment ça se passe? Eh bien, vous ne pouvez pas encourir de pénalités financières, d'intérêt de retard ou de dommages à intérêt
Si vous ne pouvez pas payer les loyers ou les charges locatives de votre local professionnel et commercial, bureau, commerce, cabinet, etc. Cela concerne les loyers et les charges dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Comme vous l'a dit Stéphanie tout à l'heure, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré pour une période de 2 mois qui a été renouvelée jusqu'au 10 juillet 2020. Pour le moment. Donc là, ça voudrait dire que le bailleur ne peut pas exercer de sanctions à votre encontre, ni de mettre en œuvre la clause résolutoire d'ailleurs, depuis le 12 mars 2020 jusqu'à du coup 10 septembre, pour le moment. Alors, quelles sont les démarches? Eh bien, vous devez absolument écrire à votre propriétaire par mail ou par courrier pour lui demander le report des loyers puisque ce n'est pas imposé par les textes directement. Donc, il faut faire la demande. Dans ce courrier, vous devez aussi spécifier au bailleur que vous bénéficiez du fonds de solidarité, que vous répondez aux critères d'éligibilité. Vous pouvez lui transmettre à ce titre l'accusé de réception que vous avez reçu quand vous avez fait les demandes auprès du fonds de solidarité. Donc, ça permettrait d'asseoir la négociation avec le propriétaire pour le report de paiement des loyers. Ce n'est qu'un report de paiement. Ça veut dire que pendant une certaine période, il ne peut pas vous appliquer des sanctions. À la fin de cette période, il faudra bien sûr régler ses loyers. Ce n'est pas une annulation des loyers. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Alors, il a été également, ça c'est pour les entreprises qui remplissent les critères d'éligibilité du fonds de solidarité ou qui sont en procédure collective. Mais il a été également question de l'annulation des 3 mois de loyer. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Alors là, c'est une démarche des fédérations en fait. Donc, les principales fédérations de bailleurs et la caisse de dépôt de consignation ont appelé leurs adhérents propriétaires à annuler 3 mois de loyer pour les très petites entreprises qui ont été contraintes de fermer en application de l'arrêté du 15 mars 2020 et qui ont dû rester fermées aussi après la période, après le 11 mai en fait. Donc, les fédérations qui sont concernées sont la FSIF, la GF, l'ASPIM, le CNCC, ainsi que la Fédération française de l'assurance et la Caisse de dépôt et de consignation. Les commerces qui sont éligibles à cette annulation de 3 mois de loyer sont ceux qui emploient moins de 10 salariés et qui, n'exerçant pas d'activité essentielle, ont fait l'objet d'une décision administrative de fermeture pour motif sanitaire, qu'il faut reporter du coup aux arrêtés du 14 et du 15 mars. Mais là, ils ont demandé à leurs adhérents de procéder à cela. Là encore, il n'y a pas eu une obligation légale de par la loi à annuler ces loyers. Donc, ça relève vraiment de la négociation entre les propriétaires et les locataires. En contrepartie de cet effort qui est demandé aux propriétaires, il a été mis en place des incitations fiscales pour les inciter justement à renoncer à leur loyer. Donc ça, ça a été prévu par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, qui a été adoptée le 23 avril 2020, et qui a autorisé les bailleurs à déduire de leur résultat fiscal la perte résultant d'abandon de créance de loyer, sans qu'il soit nécessaire de justifier un intérêt commercial. Donc cette mesure incitative s'applique aux abandons consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette loi de finances rectificative, la renonciation par le bailleur à percevoir les loyers était doublement sanctionnée puisqu'il ne percevait pas les loyers et il était imposé sur ses loyers qu'il n'avait même pas perçus. Il ne pouvait les déduire que quand il pouvait justifier que l'entreprise locataire était en procédure collective. Donc, c'était très restrictif. Aujourd'hui, la loi de finances rectificative est venue élargir ce dispositif puisque le propriétaire qui déduirait les loyers qu'il a abandonnés n'aurait plus à justifier un motif commercial en fait. Il n'aurait plus à justifier que le locataire se trouve en procédure collective. Donc le champ d'application de cette déduction fiscale est large.
dans la mesure où sont notamment visés les loyers taxés dans la catégorie des revenus fonciers, donc les locations nues, mais également les bénéfices donc commerciaux pour, par exemple, la sous-location, ou ceux qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Alors, on pourra revenir sur ces dispositifs fiscaux en fin d'intervention si vous le souhaitez. Là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça concerne davantage les propriétaires. Ce sont des informations très fiscales, donc très techniques. Mais si vous avez des questions, vous pourrez nous interroger sur la boîte mail du service juridique ou encore poser peut-être des questions par la suite si je suis en mesure d'y répondre, bien sûr. Alors, ces textes, comme vous l'aurez compris, ne concernent qu'une partie des entreprises. Entre celles qui sont éligibles au fonds de solidarité, celles dont les propriétaires sont adhérents à ces fédérations. Voilà, mais il reste encore plein d'autres locataires qui finalement ne sont pas visés par ces dispositions. Alors, il faudra, dans ce cas-là, se retourner vers d'autres outils juridiques qui sont utilisés en droit français en cas de difficulté ou d'impossibilité pour vous d'exécuter vos obligations contractuelles dans de telles circonstances, dont notamment le paiement des loyers. Alors, quels sont ces outils? Bien, il s'agit de la force majeure, de l'imprévision ou encore de l'exception d'inexécution. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité sur l'interprétation des juges quant à l'utilisation de ces outils en matière de baux commerciaux. Il faut rester très prudent par rapport à ces informations. Néanmoins, je vais vous expliquer les grands fondements, en fait. Alors, pour la force majeure, ça voudrait dire que, déjà, dans votre contrat, vous n'ayez aucune clause qui vient restreindre le recours à la force majeure. Souvent, dans les contrats, de façon générale, pas que dans le contrat de bail commercial, vous allez avoir une clause qui limite les effets de la force majeure, qui restreint les motifs de force majeure. Donc, il faut vous en remettre à cette clause. Il faut regarder comment votre contrat de bail commercial est rédigé. Ça, ça vaut pour tous les contrats que vous avez été amené à signer avant la pandémie. Ceci dit, si votre contrat ne prévoit rien ou ne restreint rien en matière de force majeure, il faut regarder les critères de mise en place de la force majeure. Cette force majeure veut dire que l'événement devait être imprévisible, irrésistible et que l'obligation contractuelle était impossible à exécuter. Si vous ne remplissez pas ces trois critères, vous ne pouvez pas invoquer la force majeure. Du coup, deux critères sont forcément remplis. Si votre contrat de bail a été signé, bien sûr, avant le début d'année 2020. S'il a été signé après, ça peut être discutable. En tout cas, on pense logiquement que les juges devraient reconnaître la force majeure pour les contrats conclus avant janvier 2020. Puisque l'imprévisibilité des événements devrait être reconnue, et l'irrésistibilité aussi, puisqu'on vous a imposé des mesures étatiques qui vous ont obligé à arrêter votre activité, du coup, peut-être à ne pas respecter vos obligations contractuelles de façon générale. Là où peut se poser le problème, c'est sur l'obligation de payer une somme d'argent. Puisqu'on nous dit, pour que la force majeure soit reconnue, qu'il faut être dans l'impossibilité d'exécuter son obligation. C'est des événements qui sont extérieurs à notre volonté. Est-ce que le fait de ne plus avoir la trésorerie nécessaire pour payer son loyer rentre dans l'impossibilité d'exécution du loyer, des obligations contractuelles? On peut s'interroger. Ça serait plutôt le cas où on pourrait avoir aucune remise en cause si vous étiez dans l'impossibilité du fait de votre banque, du système bancaire général, de procéder au virement ou d'envoyer le chèque, etc. Mais là, le fait de ne pas avoir de trésorerie, c'est plutôt discutable. C'est pour ça que la force majeure est rarement appliquée jusqu'à présent. Hein. Maintenant, on ne sait pas comment ça sera interprété par les juges en cas de la pandémie. En tout cas, jusqu'à présent, la force majeure avait tendance à ne pas s'appliquer pour le non-paiement de sommes d'argent, de façon générale, hein. Que ce soit le loyer ou le paiement d'une autre créance. Donc, il faut être
très prudent par rapport à l'utilisation et l'invocation de la force majeure en tant que locataire, en fait. Par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, le propriétaire a une obligation de délivrance. Dans ce cas-là, si vous le reprochez de ne pas pouvoir vous délivrer le bien pour la location que vous avez effectuée, c'est le propriétaire qui pourrait éventuellement invoquer la force majeure pour se dégager de sa responsabilité, en disant, ben voilà, l'État a imposé une fermeture, je ne suis pas en mesure de pouvoir délivrer la chose louée pour l'usage pour lequel il était loué, donc moi je m'exonère de ma responsabilité en utilisant la force majeure. Voilà, donc ça c'est sur la force majeure. Donc vous voyez que c'est vraiment, il faut y aller vraiment à petits pas et par prudence, vérifier dans le contrat si une clause la restreint ou pas, et ensuite voir s'il n'y a pas d'autre moyen de négociation que d'aller en justice, parce que ça sera très aléatoire pour les locataires. De l'avis des praticiens aujourd'hui et des juristes. Mais depuis 2016, il existe aussi un deuxième outil qui s'appelle l'imprévision, qui est un peu plus facile d'application, mais qui n'a pas encore eu beaucoup d'application dans la pratique, puisqu'il est récent. Donc, on n'a pas vraiment de visibilité sur l'appréciation des juges. Néanmoins, si vous ne remplissez pas tous les critères de la force majeure, vous pouvez regarder si vous remplissez les critères de l'imprévision. Pour invoquer l'imprévision, il faut un changement de circonstances imprévisible. Donc là, on imagine bien que l'évolution progressive de la situation depuis la découverte des premiers cas de COVID-19 en Chine jusqu'à présent montre bien l'imprévisibilité des événements. Ça peut être des circonstances politiques, sanitaires, économiques et sociales. Donc, il n'y a pas de limitation sur la nature des circonstances. Par contre, ce changement doit être imprévisible au moment de la conclusion du contrat ou de son renouvellement. Ça veut dire que vous ne pouvez l'invoquer que si vous avez conclu un contrat, a priori, avant février 2020, voire avant janvier 2020. Renouveler votre contrat. Si vous avez signé votre contrat de bail le 1er mars, renouveler votre contrat de bail le 1er mars, ça sera beaucoup plus difficile pour vous de prouver l'imprévisibilité puisqu'on était déjà dans un contexte de crise sanitaire au niveau européen et en France déjà bien amorcé en fait. Alors, c'est pour ça que c'est très important, que ce soit la force majeure ou l'imprévision, de bien déterminer la date de conclusion de votre contrat ou de son renouvellement et de bien vérifier au cas par cas l'état de la crise sanitaire à ce moment-là, en fait. Ensuite, au niveau des effets de l'imprévision. Alors, quand la force majeure va suspendre les obligations, ça ne veut pas dire qu'elle les annule non plus, même en cas de force majeure, ça veut dire que les obligations contractuelles vont être suspendues pour être reportées à partir du moment où elles seront de nouveau réalisables. L'imprévision, elle, va inciter à une négociation entre les parties. C'est un petit peu différent. Ça veut dire aussi que l'exécution du contrat reste possible, mais que cette exécution est rendue particulièrement onéreuse pour l'une des parties, en fait. Ça, c'est la deuxième condition de l'imprévision. Donc, il faut l'imprévisibilité et il faut la condition de l'obligation qui est devenue particulièrement onéreuse pour l'une des parties, qui aboutit à avoir un contrat déséquilibré. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait renégocier entre les parties un contrat qui deviendrait de nouveau plus équilibré pendant la période, en tout cas, où l'obligation est rendue particulièrement onéreuse. Cette imprévision ne va concerner que les contrats conclus après le 1er octobre 2016, puisque cet outil n'a été créé qu'à partir de cette période-là. Pour tous les contrats de baux commerciaux qui sont des contrats par nature d'une longue durée qui ont été conclus avant le 1er octobre 2016, l'imprévision ne pourra pas être invoquée. Si en cas d'échec de la négociation entre les parties dans le cadre de l'imprévision, après c'est le juge qui va tenter une négociation avec les parties en fait, qui va dire comment vont être rééquilibrées les différentes obligations. Alors là, on ne va pas rentrer dans le détail des procédures, mais que ce soit pour la force majeure ou l'imprévision, il faut vraiment insister
sur le règlement alternatif amiable des litiges. Pourquoi? Eh bien, parce que en raison de la crise sanitaire, les tribunaux ont été à l'arrêt. Ils reprennent tout doucement leur activité, mais vous imaginez bien qu'ils vont être complètement engorgés et que du coup, les procédures vont être encore plus longues que d'habitude. Elles sont déjà très longues, notamment en matière de baux commerciaux, mais là, elles vont être encore plus longues. Il faut vraiment essayer d'aboutir à une négociation avec votre propriétaire, notamment en ayant recours à la médiation. On va l'invoquer par la suite, mais qui peut vous aider à aboutir à cette négociation. Et le troisième outil juridique, c'est l'exception d'inexécution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une partie qui n'exécute pas son obligation et en réaction, l'autre partie dit ben, « vous n'avez pas exécuté votre obligation, je n'exécute pas la mienne ». Là aussi, ça reste assez aléatoire et ça sera vraiment au cas par cas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous reprochez à votre propriétaire de ne pas avoir respecté son obligation majeure de délivrance du bien loué. Ça ne peut concerner a priori que les propriétaires qui ont été dans l'obligation, enfin, ou les locataires qui ont été dans l'obligation de fermer leur établissement. Ceux qui n'ont pas été dans cette obligation-là, ils ne peuvent pas reprocher aux propriétaires de ne pas avoir respecté l'obligation de délivrance. Déjà là, on regardera au cas par cas comment s'est passée cette période pour le commerçant. Est-ce qu'il a été obligé de fermer ou pas? Est-ce qu'il a pu maintenir une partie de l'activité ou pas? Voilà. Donc, c'est aussi très aléatoire devant le juge. Néanmoins, ça a le mérite d'exister, donc je vous en parle aujourd'hui. Au niveau des praticiens, les avocats et les chercheurs en droit, l'exception des exécutions, on est un peu partagé. C'est comme pour la force majeure. On a des praticiens qui vont dire ça aurait tendance à ne s'appliquer que pour les propriétaires qui ont subi eux-mêmes cette obligation de fermeture, comme par exemple les propriétaires des centres commerciaux, à qui on a dit vous fermez la totalité du centre commercial, sauf pour les commerces essentiels. Là, l'obligation de fermeture a bien pesé sur le propriétaire. Et du coup, l'obligation de délivrance, bien sûr, n'a absolument pas pu être respectée. Ça sera plus délicat à prouver et à mettre en place pour des commerçants avec des propriétaires individuels. Là, l'obligation de fermeture a pesé sur le commerçant et non pas sur le propriétaire. Donc là, c'est plus contestable. Donc aujourd'hui, encore une fois, nous n'avons pas de visibilité sur l'interprétation des juges pour ces différents outils. Alors, là, on vous a parlé du report des loyers, la suspension des loyers ou encore de l'annulation des loyers, mais au-delà de cette difficulté de paiement des loyers, les relations bailleurs et preneurs ont aussi pu être impactées par la période de suspension des délais qui a été instituée par l'ordonnance du 25 mars, qui institue une période juridiquement protégée qui va du 12 mars à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'état d'urgence normalement se termine le 10 juillet, sauf prolongation. Et donc cette période juridiquement protégée devrait aller jusqu'au 10 août. Donc, du 12 mars 2020 au 10 août, on est dans une période juridiquement protégée. Protégée à quel niveau? Eh bien, pour les délais et les formalités. Ça permet de suspendre certains délais qui s'appliquent en matière de contrat. Alors, en matière de baux commerciaux, je vais vous en citer quelques-uns. Si vous êtes dans cette situation, si vous savez que vous avez un délai qui a commencé à courir avant le 12 mars 2020 et qui pourrait arriver à terme pendant cette période juridiquement protégée, il faudra revenir vers nous aussi parce que c'est très important pour nous de regarder au cas par cas quel délai est concerné, quelle procédure est concernée pour voir si ça s'applique à vous ou pas. Alors, ça pourrait s'appliquer par exemple au délai de prescription, donc pour une action en justice, hein, le délai de 2 ans normalement en matière de baux commerciaux. La révision triennale des loyers par exemple, la procédure de renouvellement qui aurait peut-être dû intervenir pendant cette période juridiquement protégée.
Il y a un problème technique. Élise, il y avait un problème technique. Je ne sais pas, tu étais coupée. Coupée depuis longtemps. Peut-être la dernière partie. Tu as commencé avec délai de prescription, révision triennale. À quel moment, pardon? Après, qu'on t'a dit droit de renouvellement. Après, je n'entends pas bien. Et vous m'entendez là? Parce que moi, maintenant, j'entends pas bon. Bien, Stéphanie. Maintenant, c'est bon. Et j'étais coupée à quel moment alors? Quand tu as parlé de renouvellement. Stéphanie, je ne t'entends pas. Ah. Bon, on ne m'entend pas. Ce n'est pas grave. Je vais reprendre le slide dans la totalité, ça sera plus simple. Donc, je pense que j'ai été coupée au moment de la suspension des procédures et des formalités. Donc, je vous disais qu'au-delà du paiement des loyers, il y a d'autres. Le Covid-19 a pu impacter aussi d'autres procédures en matière de baux commerciaux, puisqu'on a une loi qui est une ordonnance du 25 mars qui a institué une période juridiquement protégée allant du 12 mars à un mois après la date d'arrêt de l'état d'urgence. Donc, l'état d'urgence se poursuit jusqu'au 10 juillet, donc jusqu'au 10 août. 12 mars 2020 au 10 août, on est dans une période juridiquement protégée qui peut avoir un impact sur les délais de procédure en matière de baux commerciaux, notamment pour les délais de prescription, pour l'exercice du droit de préférence du locataire, pour la révision triennale des loyers, ou encore la résiliation triennale du locataire, ou la procédure de renouvellement. Donc, si vous êtes concerné par des délais qui sont arrivés à échéance pendant la période juridiquement protégée, à ce moment-là, il faut venir vers nous pour qu'on regarde au cas par cas en fonction de la problématique qui se pose à vous, si vous êtes concerné par la suspension de ces délais ou pas, et comment vous devez réagir. Et quelles vont être alors les relations bailleurs-locataires dans les prochains temps, une fois la crise sanitaire est passée? Voilà. Alors, on pense très sincèrement que les relations vont évoluer, que ça va être aussi très tendu pendant malheureusement plusieurs mois, voire jusqu'à la fin de l'année ou encore l'année prochaine. Mais on peut imaginer quelques hypothèses en fait. On peut imaginer peut-être une modification de la valeur locative qui pourrait intervenir. Donc ça, il faut un peu étudier comment va évoluer le marché locatif. Il faudra aussi nécessairement passer par la rédaction d'un avenant pour les échéances de paiement en cas de report de paiement des loyers. Ça, c'est vraiment très important pour vous, locataires, de pouvoir formaliser ce report des loyers et de pouvoir anticiper et prévoir un échéancier aussi pour ne pas vous retrouver en septembre avec des... On est encore coupé, Élise. Tu m'entends? Oui, on a une coupure. J'ai un problème avec ma connexion, en fait. Là, c'est bon, c'est revenu. C'est revenu. OK. Donc, je disais que il faut absolument rédiger un avenant pour les échéanciers de paiement pour pas que vous, en tant que locataire, vous vous retrouviez en difficulté après la période du mois de septembre, où on va vous demander de payer tous les loyers d'un coup. Donc, pour éviter cette situation-là, essayez de rédiger très rapidement un avenant au bail commercial prévoyant cet échéancier pour pouvoir le répartir sur plusieurs mois et négocier avec votre propriétaire. Du coup, comme on sait que la situation va être très tendue, on sait aussi qu'on aura un contentieux très important qui risque d'arriver sur le paiement des loyers, mais voire d'autres choses, hein, des travaux qui n'ont pas été exécutés, voilà, il peut y avoir plein d'autres événements qui risquent d'engorger les tribunaux en matière de baux commerciaux. Et dans ce cas-là, eh bien, on va vous inciter très fortement à passer par d'autres, comme je vous l'avais déjà dit tout à l'heure par rapport à la force majeure à l'imprévision, par d'autres modes de règlement des litiges, notamment les modes alternatifs à l'amiable et notamment la médiation. Alors, vous avez peut-être entendu parler d'une médiation mise en place pour les loyers mis en place par le gouvernement. En fait, il s'agit d'une médiation gérée par Jeanne-Marie Prost,
qui est maître à la Cour des comptes et qui a pour mission d'organiser une médiation entre les fédérations de bailleurs professionnels et les fédérations de commerçants, en fait. Donc, cette médiation n'a pas pour objectif de régler des litiges individuels. Hein, donc, c'est vraiment une négociation entre fédérations avec l'établissement, la rédaction d'une charte ou d'un code de bonne conduite. Voilà, que les fédérations aujourd'hui n'ont pas encore signé, ne sont pas pour le moment prêtes à signer. Donc, il faudra suivre ça de près, mais pour le moment, ce n'est pas applicable de toute façon au litige individuel. Alors, du coup, comme cette médiation ne peut pas s'appliquer au litige individuel, nous souhaitons juste faire un point sur la médiation classique que nous vous avions déjà présentée dans un précédent webinaire que vous retrouvez en replay. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, sur la force majeure, la prévision aussi, vous retrouvez en replay. J'en reparlerai après. Et alors, la médiation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un mode alternatif de règlement des litiges qui permet un gain de temps et d'argent et qui vous permet surtout d'être assisté par un médiateur professionnel qui est neutre, qui respecte les engagements de confidentialité, bien sûr, et qui va chercher à aboutir, à vous faire aboutir, vous parties, en fait, un accord conforme à vos intérêts respectifs. Donc, dans le cadre d'une médiation, on n'a pas un perdant, un gagnant, en fait, contrairement à une procédure judiciaire. On va essayer de trouver un accord qui respecte l'intérêt des deux parties, qui corresponde aux deux parties. Alors, bien sûr, il faudra faire certainement des efforts de chaque côté, mais néanmoins, l'une ou l'autre partie ne se sentira pas lésée par l'accord. Donc, ça, c'est vraiment très important. Donc, afin de faciliter l'accès à ce mode de règlement des litiges, on a créé une plateforme de médiation et d'arbitrage dont va vous parler Stéphanie tout de suite. Oui, merci Elise. Alors, effectivement, la CCISS Euromotropole a mis en place avec les barreaux, ça veut dire les barreaux des avocats alsaciennes et des organismes centre médiation et d'arbitrage, on a mis en place une plateforme de médiation où notre souhait, dès le début, c'était de proposer une offre de proximité ici en Alsace, ça veut dire être proche aux entreprises. Vous trouvez toutes les informations sur notre site internet, mais il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à nous contacter. Parce qu'effectivement, notre idée, c'était de dire qu'il faut proposer quelque chose ici, localement, avec des médiateurs formés qui suivent des formations, qui sont spécialisés dans ce domaine. Surtout, la CCI, avec ses partenaires, privilégie la co-médiation. En plus, il faut avoir, c'est le même tarif qui va s'appliquer si on prend un médiateur ou deux. Et des co-médiateurs, ça peut être très avantageux parce que vous avez deux personnes qui vont essayer de trouver ou mettre en place avec les parties ensemble des solutions. Et je vous invite, alors comme Elise l'a dit, de regarder déjà le replay. Hein. On explique ça tout en détail et de revenir aussi vers nous pour poser des questions, pour exposer votre situation, pour voir. Hein. Si ça rentre dans la médiation et effectivement, la CCI, si vous dites, voilà, je suis intéressée, mais je n'ai pas de contact avec mon bailleur, la CCI peut se charger pour contacter le bailleur pour savoir si lui est intéressé par une médiation. Voilà, ça c'était pour la partie médiation. Alors, voilà, donc on arrive à la fin de la présentation. Donc, on vous invite à aller sur le site de la CCI Alsace-Eurométropole pour plusieurs choses. Vous allez trouver ce que propose la CCI pour vous aider aussi à rebondir maintenant après cette période de crise sanitaire. Donc, il y a plusieurs outils qui vous sont proposés. Nous vous invitons vraiment à aller voir ces outils, notamment concernant la reprise d'activité. Aussi parce que vous retrouvez en replay tous les webinaires organisés par la CCI Alsace-Eurométropole et par le service juridique. Mais pas que, et qui concerne des thèmes très variés. Donc là aussi, on vous invite à les consulter. Ils sont en libre consultation. Donc notamment celui sur le droit des contrats qui concerne la force majeure et l'imprévision et celui qui concerne la médiation que vous allez retrouver aussi.
et où on rentre un peu plus dans le détail de toutes ces problématiques. Celui de ce matin se retrouvera également en replay par la suite. Donc, on vous le transmettra de toute façon et on vous enverra le lien. Le prochain webinaire qui sera organisé par le service juridique aura lieu fin juin et il va concerner plus spécifiquement le droit des sociétés, puisque là aussi, toutes les obligations en matière de droit des sociétés n'ont pas pu être respectées par les sociétés. Donc, on va vous expliquer ce qui s'est passé, comment ça se passe aujourd'hui et ce que vous allez devoir faire par rapport à vos obligations en tant que dirigeant de société. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas pour le moment. Ça semble très clair. Je suis désolée pour les problèmes de connexion. Hein. Moi, ce matin, j'ai des petits soucis. J'espère que vous avez entendu quand même la totalité. Non, il ne semble pas de questions, Élise. Tout est très... Alors, s'il n'y a pas de questions, ben, on va arrêter. Et puis, n'hésitez pas à vraiment aller sur le site de la CCI pour... voir les webinaires en replay. Donc, merci pour votre attention, merci pour votre présence et puis à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci.